Bonjour, alors voici un petit tour de coïncidence avec des cartes ESP qui est très très bluffant. Alors, j'ai des cartes ESP, si vous savez pas ce que c'est des cartes avec des symboles, d'accord, des ronds, des croix, des carrés, des étoiles, il y en a plein partout, hein. Et donc 5 séries de cartes qui se répètent. Et avant de faire quoi que ce soit, on va couper, on va même d'ailleurs mélanger ces cartes. Voilà, vraiment du bout des doigts, je triche pas, même face en l'air. Donc peu importe hein, si des carrés se suivent, si des ronds se suivent, on s'en fout. Tiens d'ailleurs Thierry, puisque ça va être du pur hasard, tu vas comme ça couper le jeu et légaliser autant de fois que tu as envie. Et quand tu voudras t'arrêter, tu t'arrêteras et tu mettras une carte, celle du dessus, sans la regarder. D'accord? D'accord. Je fais tout caméraman, Ah ben oui, parce que si c'est moi qui le fais, on va dire que je triche. coupeur de Et qu'en plus, cartes. si c'est moi qui coupe, on va dire que je monte le jeu. Donc là, je veux vraiment que ce soit toi qui coupe, au moins ça mélange les cartes. Et quand tu auras envie, tu prendras une carte Non, et tu mais un t'arrêteras. petit peu plus bas. Et la carte, tu la Voilà. mets là. Ouais, et tu la regardes pas. Super. D'accord? Ok. Maintenant, regarde, je vais faire 4 paquets comme ça. On va aller vite, je vais les prendre deux par deux. Et je vais te demander, entre celui-là et celui-là, lequel tu veux qu'on mette face en l'air? Celui-ci. Celui-ci? Super. Et entre les deux qui sont là, lequel? Celui-là. Face en l'air? Oui. Super. Maintenant, une fois qu'on a donc tous des ronds, des... Je peux Ah changer? oui, si tu veux. Celui-là. Allez, celui-ci. Super. Donc tu peux constater qu'à chaque fois, on a des cartes qui sont mélangées. D'ailleurs, carré, carré, tu vois, c'est dans l'ordre vraiment aléatoire. Tu veux que je mette celui-là par-dessus celui-là ou celui-là par-dessus celui-là? Celui-ci par-dessus. Allez, super. Et pareil pour ceux qui sont face en l'air. Le carré en haut. Celui-là. Super. Alors, je sais pas s'il peut avoir une coïncidence, mais imagine si je prends les cartes comme ça et qu'il y ait une coïncidence, ça serait énorme. Enfin, énorme. Oui, puisque j'ai mélangé, j'ai Voilà, tu me diras, coupé. t'as mélangé, mais on pourrait tomber sur deux symboles identiques. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ça marche pas. On va aller voir jusqu'au bout. Non. 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 Ah oui. Ah. Ah tiens, on va les mettre d'ailleurs ici. D'accord? On va continuer. Non. Non. Donc c'est vraiment le pur des hasards. C'est toi qui as mélangé, toi qui as coupé non plus. C'est moi qui ai choisi Oui. Ah. qui dessus, qui dessous. Un Ah. qui coïncide. Ouais, pas On va mal. voir les derniers. Non. Et non. T'imagines depuis le départ? Avec toutes les coupes, les mélanges que tu as fait coïncider les quatre étoiles. Ce qui serait miraculeux, c'est que la carte que tu as choisie et que tu n'aies pas vue soit effectivement la dernière étoile. Joli. Bizarre. Ça, j'aime bien. Comment c'est possible tout ça? Voilà une petite démonstration de tour ESP.